Allez, test de la pâte crème. Bah décidément, je sais même pas si je vais vous faire un accéléré. Parce que là, ça démarre très bien. Deux poissons piqués sur deux touches. J'espère qu'on va la sortir. Je remets quelques pelés. Et on va retenter la pâte à la crème parce que là, ça a été très rapide. Je les décroche en bois, c'est en bas, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'eau. Comme ça, le poisson ne sort pas de l'eau. Puis je vous les montre, je pense que c'est pas mal. On va pas se la peser, un poisson d'un kilo 4, un kilo 6. J'espère qu'on va faire plus gros, bien sûr. J'ai la balance au cas où. Comme ça, ça va être intéressant de voir si on monte en poids. Pour le moment, 2 sur 2, 2 touches en 10 minutes, génial. Un peu de bruit, la zone, et puis une pâte arôme qui se distingue de la couleur et en goût. Pour essayer de les stimuler rapidement, c'est ce qu'il faut. Voilà ce deuxième poisson. Allez, je la remets à l'eau. Voilà, je pense que c'est un peu plus sympa le positionnement de la caméra. Ça me permet de faire des tests. Écoutez, la touche a tellement été rapide que je repars sur la pâte scopex. Crème, pardon. Il y a également un peu de scopex dans cette pâte. Comme l'arôme crème est un mélange de plusieurs arômes. Allez, c'est parti. Vous voyez, troisième touche, c'est parti encore assez vite. Est-ce que la pâte fait bien la différence? Je ne sais pas. En tout cas, ce poisson est bien plus nerveux. Toujours le même gabarit pour le moment. On remet quelques pelés. Hein. Pas perdre les poissons encore plus en hiver. Parce que déjà, c'est pas toujours le cas où ils arrivent rapidement en hiver, tout simplement. Et voilà, troisième poisson, des superbes couleurs. Je vous la remonte avec un beau jeu d'écailles. Par contre, ces écailles sont vraiment très sympas. Vous voyez, elle a vraiment un beau profil de carpe, une future très belle carpe. Ça, c'est cool. Un beau morphotype là au niveau de la bosse. Ça, c'est vraiment sympa sur les gros poissons. Hop, parfait. Bon,
Premier quart d'heure de pêche, 3 poissons, ça démarre très fort. Maintenant la question, est-ce que les grosses vont arriver? Normalement oui, j'espère. Bon, pour le moment, je ne change pas ce combo gagnant d'une pâte Scopex qui fait des touches presque crème, pardon, j'ai du mal. J'ai tellement l'habitude à pêcher au Scopex en été. Une pâte crème qui fait des touches rapidement. On continue. Ah là, c'est différent. Touche rapide, par contre le poisson reste sur le fond et je sens qu'il y a plus de masse. Alors soit c'est harponné, soit c'est une belle. Allez, arrête-toi. C'est bon, elle a fait son premier virage. Elle part là-bas dans l'angle. J'espère qu'il n'y a pas 2-3 branches, parce que généralement elles savent où elles vont. Bientôt aussi efficace qu'en été. On est peut-être sur une bonne journée, hein. On va voir. Nouvelle touche, vous avez vu ce poisson-là, reste sur le poste. C'est très rare, à ce point-là. Donc on va voir. Ça y est, j'ai les premiers coups de tête. Vous avez vu, 25 minutes de pêche, pas plus. C'est un des meilleurs débuts pour le moment. Bon, j'espère que je vais pas décrocher, mais 5 touches et j'espère le cinquième poisson sorti. Je vais me concentrer, ça a l'air d'être un poisson un peu plus gros. Un beau ventre, vous avez vu ça? Superbe!